Commencer à faire le barreau routier à l'aéroport, faut qu'ils fassent des autres routes pour remplacer. Du coup, on avait envie d'inviter tout le monde à faire une balade ensemble, à voir ces routes, du coup faire le trajet et à les décorer un peu. Du coup, c'est un peu l'idée de la Vélorussion aujourd'hui. Voilà, mais parce qu'on se disait aussi que même s'ils lâchent à un moment donné sur l'aéroport, s'ils ne le construisent pas, ils peuvent toujours aussi faire le barreau routier, comme ils disaient, les élargissements de route sont les premières étapes. Le barreau, à savoir qu'ils sont déjà pas mal à la bourre, que l'aéroport est prévu pour 2019-2020 et qu'entre temps ils ont essayé de faire croire qu'ils avancent sur les travaux, mais quand ça correspond vraiment à la réalité ici sur place. Quelques points techniques, c'est qu'il y a, pour les gens qui n'ont pas d'eau ou de flotte, il y a deux bidons avec de l'eau dans le tracteur avec le petit cochon dessus et la batouque. Notamment aussi qui va jouer pendant la Vélorussion. Il y a des gens, je pense, avec des kits si jamais il faut réparer les vélos en route. Et on vous propose du coup de faire la trajet ensemble et que de temps en temps on va s'arrêter pour repeindre un peu, pour mettre quelques banderoles et tout ça. Et bah tiens, on voulait rappeler un petit texte, Chapeau commun qui a été écrit par plusieurs composants de la lutte. Mesure de compensation, c'est le projet d'aéroport qui avance. Il faut donc empêcher ces mesures de se réaliser, mares, transfert d'arbres et d'espèces, ainsi que l'élargissement des routes et la construction du barreau routier. Luttons ensemble pour stopper le projet d'aéroport. Lorsque les travaux seront imminents, les informations et rendez-vous seront communiqués dès que possible sur les trois sites Zadnadir, Asipa et Naturalistes en lutte, ainsi que par mail et par téléphone. Du coup, c'est un appel commun signé par l'Assemblée du mouvement du 17 décembre 2013, COPA 44, Naturalistes en lutte, coordination et des opposants de la ZAD. Voilà. Ah, c'est joli. C'est plutôt des trucs ronds comme ça qu'on voyait bien. Et là, du coup, ils ont dû planter ça pour indiquer les élargissements et là où ils vont élargir les routes là. Et voilà, c'est un peu plus invisible. Comme ça, si vous en voyez, vous pouvez
toujours vous motiver pour les enlever. Ça les emmerde un petit peu. Ou pour les planter un peu plus loin, ça les emmerde aussi. Oh!